Bonjour from the beautiful city of Montpellier, a place of great history and superb architecture. Many students from all over the world, including Australians, come here to learn French, naturellement. This Mediterranean region of the Languedoc-Roussillon, situated between Provence and the Pyrenees, is sun-drenched, and many of France's first new season vegetables and fruits are grown in the vast valleys bordering the sea. The city of Montpellier has several markets with specialist stalls where you can find top quality poultry and rabbits, outstanding meat that has been well aged, and always a great cheese shop with the best of the region. The Réserve Rimbaud restaurant, located on the side of the Lez River, is the Languedoc gourmet haven. The owner, Charles Fontes, a young chef specializes in local food. Ben voilà, j'ai essayé de vous organiser un petit marché local hein, pour présenter nos produits de la région et les produits que je travaille. Avec bien sûr la Méditerranée, hein, on est au bord de l'eau. Donc avec un petit pêcheur qui m'amène tous les matins des poissons absolument sublimes. Ce loup par exemple extraordinaire. Ça c'est un vrai plaisir de le travailler. Ensuite nous avons les asperges bien sûr, on est en pleine saison des asperges. Pareil, toujours un petit producteur local. J'essaie de travailler en circuit fermé pour avoir de beaux produits. L'arrière-pays de Montpellier-Rhin qui est magnifique. J'ai eu beaucoup de chance, j'arrive à avoir du poireau sauvage, de la roquette sauvage. Là, c'est absolument très agréable à travailler. Les fromages, bien entendu, hein, avec les pélardons des Cévennes, mondialement connus, on peut dire. Et bien sûr, avec ce soleil, on a des fruits magnifiques. Hein. Je pense aux fraises, on est en pleine saison des fraises, avec des garriguettes. Hein. Ce sont les garriguettes de Moggio, un petit village juste à côté, bourré de sucre. Charles' cooking is light and contemporary. Everything is delicious. And I especially loved his spring vegetable plate. The Languedoc-Roussillon is the largest wine-growing region in France, and Charles takes great pleasure in matching the local nectar with his dishes. Avec ce vin blanc, par exemple, hein, qui est un vin fait à base de Chardonnay, de Roussanne, hein, des cépages qui sont assez fréquents chez nous, qui apporte des vins très équilibrés, et que je sers en ce moment, par exemple, avec des asperges. This is really lovely. Would go well with vegetables. This luscious fruit salad is a perfect example of a modern French dessert. I first drop a mix of raspberries and strawberries into a bowl, then add the juice of one orange, half a lemon, and 2 tablespoons of sugar. I blend to a smooth puree, then strain it to eliminate the seeds. This preparation is called a coulis, and for me it is one of the most extraordinary base for a fruit salad. To add a magic touch, I stir in a local spirit made of grapes. Next, I drop plenty of large pitted cherries into the coulis, as well as some segments of perfectly ripe peaches. I love to serve this stunning looking delicious salad de cerise au Marc de Languedoc in a deep plate with a few toasted almonds scattered on top and dusted with icing sugar. Tomorrow we discover that pigeon is one of the most delicious specialties of the region around the magnificent town of Albi in the southwest.